aujourd'hui, on fait des pizzas. Moi, j'ai déjà fait la mienne, mais on va faire celle de maman ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on fait des pizzas maison. Du coup, en premier, on va prendre la sauce tomate. D'habitude, on n'en fait pas maison, mais là, on en fait maison. Et c'est cool, j'adore. Ça dépend, des fois, on fait. Oui. Du coup, là, on va mettre de la sauce tomate. Tu me dis stop, maman. En fait, c'est très facile de les faire vous-même parce que nous, en fait, on achète une pâte, pâte à pizza. Et on met plein d'ingrédients comme ça. Et après, les enfants, ils mettent ce qu'ils veulent sur leur pizza. Moi j'ai tout mis. Allez. J'ai alors, on met de la sauce tomate. Tu veux que je mette tout? Non, pas tout. Tu me dis quand c'est bon là? T'en veux plus? Oui, c'est bon. Voilà. Après, je veux du chorizo. Du chorizo, tu veux pas mettre du fromage avant? Ah oui, mets-moi du fromage. De la grosse mozzarella. Ouais, mais on en a plein en fait. Hop, tac. C'est bon? Un peu plus? Bah, un peu plus, oui. Il faut quand même qu'elle soit recouverte, non? Plus? Voilà. Du chorizo. Moi, j'ai tout mis mes ingrédients. Maman va me montrer ma pizza après. Du chorizo, j'en mets un peu partout. Des merguez. Des merguez. Mais attends, j'ai même pas mis de chorizo presque. Tac, tac. Du coup, ça, c'est la pizza de maman. Moi, je vais mettre un peu de tout. Ouais, bah, comme quoi. Du jambon. Un peu de jambon, un peu partout. Oui, c'est bon, le jambon. Des champignons. Oui, les champignons. Je me demande si cru, c'est bon. Ça doit être bizarre quand on prend le goût. Moi, je m'en suis mis un tout petit peu de champignons. C'est des pizzas très, très gourmandes. Hein. Bah oui, puisqu'on le fait nous-mêmes. Un peu de lardon. Bah oui, quand même, hein, les lardons, hop. Plus de champignons parce que moi, c'est mon préféré, les champignons. Hein. C'est bon, là, ça devrait suffire, non? Encore plus. Regardez, nos pizzas, après, elles font 10 mètres de haut. C'est pas grave. Faire montrer. Celle-là, c'est celle d'Antoine? Non, c'est la mienne. Celle de Charlotte? Celle d'Antoine. On n'a plus qu'à les mettre au four. Donc, Antoine, lui, il a tout mis pareil, mais sauf les champignons. Ah, attends, on va quand même vous montrer celle de maman aussi. Et celle de maman que j'ai fait avec maman, même si c'est pas la mienne, c'est pas grave. Hein. Elle a l'air très très gourmande. Bah, elles ont l'air toutes très gourmandes. Bon, celle de papa, lui, il a pas attendu, je crois que c'est déjà trop. Et voilà, bon appétit! Bon appétit!